ciel et la terre. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous allons voir les charismes de puissance. Et cela fait suite au cénacle des nations qui est un cénacle de feu. Le monde a besoin d'évangélisateurs. Et le pape Paul VI dira que le monde n'a plus besoin de maîtres, mais le monde a besoin de témoins. L'enjeu de l'évangélisation aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cette pandémie et après la pandémie, la stratégie de l'évangélisation doit être inspirée par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le pape François, pas le pape François, le pape Jean-Paul II dira? Que la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle dans son ardeur extraordinaire. Elle est nouvelle dans sa ferveur. Elle est nouvelle dans son expression. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tellement l'expression de la nouvelle évangélisation, le style d'évangélisation aujourd'hui. Mais elle est nouvelle dans son expression. Elle est nouvelle dans sa méthode. Nous devons utiliser, et je dis merci vraiment à tous les serviteurs et servants du Seigneur, dans ce temps de pandémie, qui ont pu évangéliser à travers les réseaux sociaux, à travers tous les systèmes numériques. Et je dis merci à tous ceux, et à tous les responsables de Divine Amour TV, qui ont permis au peuple de Dieu de vivre. Parce que l'angoisse du peuple de Dieu dans une pandémie de ce genre, et comme je l'ai dit, depuis la résurrection de Jésus-Christ, la pandémie est derrière. Nous devons toujours suivre les mesures barrières. Et je dis aussi merci à Dieu pour un serviteur de Dieu et que j'aime personnellement, le père Abécan, c'est un Ivoirien. C'est l'un des anciens du renouveau charismatique et il a impacté vraiment la Côte d'Ivoire par son style d'évangélisation et parce qu'il a été touché par le style de Tardif et c'est comme ça le Saint-Esprit travaille. Je te dis merci papa parce que j'ai aimé ce que tu as dit sur cette maladie. Nous ne devons pas briser les barrières, même s'il y a des mesures de barrières à observer. Nous devons aimer plus qu'avant parce que le peuple est angoissé. Le peuple a besoin de réconfort, donc je te dis sincèrement merci. Nous allons parler des dons ou des charismes de puissance, et ça sera beaucoup de témoignages pour vous aider, parce que, et je crois que tu es peut-être enseigné, tu connais beaucoup de choses, hein, mais je veux parler de l'expérience maintenant, parce qu'il te faut grandir, le monde a besoin. Et le monde est comme dans une attente de révélation. Et comme le dit la Bible, c'est les fils de Dieu. C'est nous qui devons transmettre, communiquer ce que Jésus nous a communiqué. Il dira, quand l'Esprit Saint viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors nous devons communiquer la bonne nouvelle au monde entier. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre, un discours de science selon le même Esprit, à un autre, la foi dans le même Esprit, à tel autre, les dons de guérison dans l'unique Esprit, à tel autre, la puissance d'opérer des miracles et à tel autre, la prophétie, à tel autre, le discernement des esprits, à un autre, les diversités de langues, à tel autre, le don de les interpréter. Alors, quand je dis les charismes de puissance, je vais parler d'abord de la foi charismatique, parce que la foi est que Dieu nous donne, qui est la foi théologale, elle produit en l'homme des fruits et des changements extraordinaires. La foi, c'est comme une grande confiance en Dieu, ça c'est la foi comme fruit de l'esprit. La foi donc comme don théologal, la foi qui sauve. Mais il y a aussi une manifestation de foi assez
une manifestation assez particulière qu'on appelle la foi charismatique. Paul dit, quand j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, Jésus dira que, et vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Marc chapitre 11, verset 22-23. Alors, cette foi-là, elle produit des signes tangibles. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent, mais enfin, il y a des gens qui cherchent de merveilleux. Bon, enfin, merveilleux. Non, tous les signes sont les signes messianiques. C'est-à-dire que pour manifester la présence du royaume de Dieu. Donc l'amour aussi est un signe, le plus grand signe. Parce qu'aimer son ennemi, c'est vraiment être dans le royaume de Dieu. Mais il y a les signes tangibles. Les signes tangibles sont là et les guérisons et les miracles permettent de comprendre et de savoir que nous sommes dans le temps messianique. Jésus, quand les disciples de Jean-Baptiste viennent vers lui pour savoir si le Messie, dit, allez dire à Jean le Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Pour dire simplement que nous sommes dans le temps messianique et Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, à mon nom ils parleront dans les langues nouvelles, ils chasseront le démon, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et donc c'est très important. C'est vrai que certains font sortir les charismes de leur contexte. Parce que les charismes sont là simplement pour l'édification du corps de Christ. Les charismes ne divisent pas l'Église, mais construisent l'Église. C'est pour le bien de l'Église. Et c'est pourquoi, toi qui exerces le charisme, j'aurai le temps pendant tout ce mois de juillet et août de parler de l'éthique ministérielle. Toi qui exerces, ce n'est pas toi qui discernes. Celui qui exerce, ce n'est pas lui qui discerne. Celui qui discerne, c'est la hiérarchie. C'est très important. C'est ceux qui discernent. Toi, tu vis le charisme et c'est l'Église qui atteste. Ce sont tes responsables de communauté, de groupe, de ministère qui attestent que tu as un charisme. C'est très important. Très, très important ce que je suis en train de dire. Mais c'est très important de vivre ce charisme-là. Donc, il y a la foi qui déplace les montagnes. Et quand Jésus dit, parce que Pierre voit une ombre dans la mer, quelque chose, alors ils crient, ils ont peur. Jésus dit, c'est moi. Pierre lui dit, si c'est vraiment toi, et j'aime beaucoup Pierre, bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Ça veut dire que Pierre a une confiance totale à Jésus parce que la rencontre de Pierre avec Jésus, c'est une rencontre assez forte. Ça veut dire que Pierre a travaillé toute une nuit. Et découragé, Pierre vient et vraiment il n'a rien à attraper, quoi. Et vous voyez, donc il doit être entre 6h et 7h du matin. Voici que Jésus passe, voilà. Et Jésus dit à Pierre, retourne en eau profonde, jette ton filet. Alors Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Donc Pierre a vu ce miracle, ce qu'on appelle la multiplication de poissons, la pêche miraculeuse, si vous voulez. Et Pierre a vraiment se couché devant Jésus. Ça, c'est l'attitude de nous les pécheurs. On se couche devant Jésus, on dit « Éloigne-toi de moi, hein, je suis un pécheur. » Voilà. Donc Pierre dit à Jésus « Si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau. » Quelle confiance, quelle audace. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Et arrive un moment, Pierre se souvient qu'il est un homme, voilà, et qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Et vous connaissez la suite, il était en train de se noyer. Comme mon Jésus, mon doux Jésus, ce merveilleux sauveur qui a changé ma vie, il pouvait faire des remarques à Pierre et avant de sauver Pierre. Mais Jésus fait sortir Pierre avant de dire « homme de peu de foi ». C'est très important. Quand quelqu'un commet une bêtise, va à son secours, aide la personne à sortir. Après, quand la personne est sortie, tu fais une remarque. Je le dis toujours aux parents. Mais pendant que le fils est blessé parce qu'il a vécu quelque chose, tu commences à l'agresser. C'est pas bien. Non, 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 non. Commence à le soigner. Et vous savez, le pape François, je parle beaucoup du pape François, hein. J'aime vraiment tous les papes. Mais le pape François dit que l'Église est comme un hôpital de campagne. Je ne sais pas si les chrétiens saisissent ce que le pape vient dire. Vous voyez, l'Église est comme un hôpital de campagne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans un hôpital de campagne, généralement, c'est un médecin généraliste. Et quand vous venez, il cherche directement à vous soigner.
Voilà. Et, mais dans un hôpital moderne, vraiment, il y a toutes sortes d'analyses, etc. Hein. Mais l'hôpital de campagne, quelqu'un qui se casse le pied, quelqu'un qui se blesse, il est soigné directement. C'est très, très important. Et c'est ça l'Église. L'Église n'est pas la maison des saints. L'Église, c'est la maison des pécheurs que nous sommes. C'est très important. Et ceux qui viennent dans les évangélisations sont vraiment les pauvres du Seigneur. Vous voyez, je vois tellement de personnes. Oui, peut-être que toi, tu as mangé, peut-être que toi, tu as du travail, peut-être que toi-même, peut-être que tu es marié, peut-être que tu as une vie et correcte, bien. Mais mieux vaut que les gens viennent à Jésus que d'aller chez les féticheurs. Mieux vaut que les gens soient chrétiens que d'aller dans la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Il faut dénoncer la franc-maçonnerie. Il faut dénoncer toutes ces sectes qui, finalement, ils viennent et se disent chrétiens. Mais ils n'y croient pas. Pierre a cru à la puissance de Jésus. Et après, Pierre se souvient qu'il est un être humain. Oui. Alors, on me pose toujours la question, mais comment vivre chaque jour de la foi? D'abord, ce charisme est un charisme très important. Très important, le charisme de la foi. Et dans tous les charismes, tels que le charisme de la parole de connaissance et autres, et ce charisme est greffé. Et c'est un charisme important. Je me souviens qu'un jour, en 91, donc ça fait longtemps quand même, et j'animais ce qu'on appelait à ce temps le Festival des Jeunes du Renouveau. Et c'était à la place, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, dans un quartier populaire qu'on appelle Yopougon, voilà, à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André. Il y avait du monde. Et je commençais le ministère depuis 16h30 et j'ai fini pratiquement presque avec des témoignages, on a fini à 21h. Mais j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Je me souviens que ce jour, j'ai pu donner plus de 100 paroles de connaissance. Mais imaginez quelqu'un qui est arrêté, le Seigneur est en train de faire ça, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un, le Seigneur est en train de... Bon, j'étais fatigué. Alors j'ai dit au Seigneur, non, ce n'est pas possible, je suis fatigué, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais j'étais content, hein, vraiment, bon, j'étais content d'entendre ces paroles, etc. Mais moi, et comme je le dis souvent, l'exercice des charismes, c'est une assise pour moi parce que je vois les gens qui attendent ça, voilà, et vraiment, bon, le Saint-Esprit me pousse. Bon, je suis obligé de donner la parole que Dieu me donne. Alors, le Seigneur m'a enseigné, à lui soit la gloire, sur le charisme de la foi. Et pour ceux qui suivent un peu les activités de la communauté, ils voient que les gens sont assis. Nous étions dernièrement en mars, à Martinique. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent depuis Martinique. Il y avait plus de 7 personnes qui avaient des chaises roulantes, voilà. Et cette personne qui avait des chaises roulantes, et je l'ai fait venir, je dis, bon, est-ce que tu veux marcher? La personne me dit, oui, elle veut marcher. Je dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il y en a qui disent, moi, ça fait 4 ans, il n'y a pas 4 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans, peu importe. Et parce que là, vous sentez cette présence de l'onction du Saint-Esprit et vous êtes dans l'audace, c'est extraordinaire. Et vous dites à la personne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et puis après, la personne marche et vous vous dites, yi. Voilà, voilà, c'est ça. Et Pierre marche dans l'eau et il se souvient que ce n'est pas normal. Et on est tous comme ça. Hein? Malgré 31 ans, 6 mois, hier j'ai fêté 31 ans, 6 mois de rencontre personnelle avec Jésus. Et malgré ça, oui, et quand tu vois le miracle, tu dis, ouf, mais qu'est-ce qui m'a poussé à dire? Oui, il y a toujours dans l'exercice de charisme la pauvreté humaine. Ah oui, et on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. C'est-à-dire que les gens, parfois, payent les billets d'avion, on va très très loin, hors de notre pays. Et ils font des affiches extraordinaires. Hein. Nous faisons venir quelqu'un qui a l'onction, je n'aime pas trop ces choses, hein, l'onction et par lui Dieu guérit les malades. Bon, et il vous dit, ok, frère, viens, prêche et puis prie pour les malades. Bon, enfin, on se sent pauvre. Paul dit, quand je suis venu parmi vous, j'étais tout tremblant, oui. Nous sommes tous tremblants, c'est pas, alors toi qui veux exercer, c'est pas, vous voyez, c'est pas cartésien. Ce n'est pas une évidence humaine, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Et ce charisme de foi
m'a aidé vraiment parce que je dis au Seigneur, écoute, voici, ils sont, vous voyez, des assemblées de 50 000 personnes comme à Lomé, 50 000 personnes. Et si vous devez donner les paroles de connaissance, paroles de connaissance, mais et j'attends la présence de cette onction du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, je sens vraiment et que je suis poussé. Hein, et comme le dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset, à partir du verset 19 à 21, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, c'est toujours poussé par l'Esprit Saint qu'on parle de la part de Dieu. C'est vraiment l'Esprit Saint. Et on dit, lève-toi. Et voilà, et comme cet homme couché, là, je dis, lève-toi. Et puis c'est terminé. Et puis la personne s'est levée. Et comme cette dame, alors que j'allais en voyage, elle est venue, ça fait tant d'années que je n'accouche pas. Voilà, j'ai tout fait. Voilà, ok, vous avez tout fait, ok. Bon, ok. Je voyage, je reviens, mais dans 3 mois, venez me voir, mais vous serez enceinte de 3 mois. Elle reste là, mais vous ne priez pas pour moi. Je dis, non, c'est fini. Voilà, tout. Vous savez, j'aime beaucoup Élie et Élisée parce que Élie et Élisée opéraient dans le charisme de foi qui était charisme de puissance. Alors, j'ai parlé du charisme de foi, je veux maintenant parler du charisme de guérison. Et faire en même temps la guérison, la différence entre le charisme de guérison et le charisme de miracle. Même si c'est très proche, même si ce sont des guérisons spirituelles, on peut les qualifier aussi de miracles. Mais je veux parler un peu après du miracle pour vous situer. Alors, comment va se manifester ce charisme de guérison? Ce charisme de guérison est d'abord un charisme de compassion. Ah oui, c'est très important. Ne priez pas pour les malades parce que vous avez, je ne sais pas moi, un désir simplement, ou bien vous êtes poussé par le fait que la personne va guérir et on va vous dire que vous savez prier. Non, mais c'est la compassion. C'est vraiment la compassion. Jésus vous donne sa compassion. Et je vous assure que parfois, je me souviens en 96, nous étions toujours à la place des ordinations à Yopougon, c'est un quartier de la Côte d'Ivoire, et il y avait une jeune fille totalement paralysée. Elle s'appelle Annick, puisque je l'ai retrouvée il y a 3 ans au Canada. Et elle avait 16 ans à cette époque, donc nous étions en 96. Et il y avait des amis italiens qui étaient venus parce que j'étais allé là-bas et tout le monde. Et je vous assure que la maman a porté sa fille au dos. Elle était aidée, ils l'ont aidée à déposer sa fille. Elle était paralysée totalement. Et quand nous avons vu cette jeune fille, nous avons commencé à pleurer. Les larmes coulent. Vous savez, dans le ministère, demander à tous ceux qui prient pour les malades, nous pleurons. Hein? Parce que c'est, vous voyez, il faut être chrétien. Être chrétien, c'est aimer comme Jésus aime. Ouais. C'est ça, parce que le chrétien, c'est celui qui partage la souffrance. Jésus dit, et Paul dit, si nous souffrons avec le Christ, nous régnerons avec lui. Et il a commencé à pleurer. Alors, j'ai regardé à ce qu'on appelle le clin d'œil du Saint-Esprit, et ça aussi, c'est très important, et poussé par l'Esprit. Et j'ai regardé cette jeune fille, toujours avec les larmes dans les yeux. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Elle a bondi. Oh là là, je me souviens de ce jour-là. Les 5 000 ou 6 000 personnes ont dansé la joie du Seigneur. C'était vraiment encore les débuts du renouveau 96. Hein? C'était les débuts du renouveau charismatique. Et les gens étaient émerveillés. Oui, pour elle, je parlerai aussi des miracles, puisque pour les médecins, c'est terminé. Tous ses nerfs étaient morts, c'est terminé. Elle ne pouvait plus marcher, comme ce qu'on appelle cette miraculeuse d'Asuba, et qui, elle ne pouvait pas s'asseoir. Et on la mettait sur une chaise roulante, mais quand elle est à la maison, elle est couchée. C'est terminé, les médecins disent, c'est terminé. Et voici que nous sommes à Asuba, je crois en janvier 2012. Voilà, 2012, je pense. Et il y a la procession du Saint-Sacrement. Et les gens qui chantent, sois béni, toi qui viens,
de rayonnant de ta beauté. Quelque chose comme ça, mon frère. Voilà. Et alors que le peuple crie, parce que pour la petite histoire, c'était en... Je donne toute la gloire au Seigneur, je vous donne ça comme témoignage. En 92, j'étais prédicateur du renouveau à Mossou. Mossou, c'est près de Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et c'était ce qu'on appelle au renouveau une retraite ouverte. Voilà. En août 92, j'étais prédicateur. Et donc, au moment de la procession du Saint-Sacrement, j'ai eu cette image intérieure, ça arrive, et de voir Jésus entrer à Jérusalem. Vous voyez, toutes les fois où il y a une procession du Saint-Sacrement, c'est Jésus qui entre à Jérusalem. Et alors, j'ai demandé comme ça, spontanément, aux personnes, aux femmes, aux dames, de mettre leur pagne, parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup dansé, et d'accueillir Jésus de cette façon. Dieu merci, ça a pris aujourd'hui, pas simplement la Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, parce qu'il y a un temps, moi je dis toujours, les Africains, notre expression aussi, qui est, c'est le chant et la danse. Le chant et la danse. Et donc, il faut accueillir Jésus-Christ comme on accueille en Afrique les rois, c'est en Piakan, en criant « Oseyez !» Voilà, donc je leur dis de magnifier Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, après, on l'expose et tout le monde reste dans le silence, il n'y a pas de problème. Et donc, on entendait ce chant, « Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de beauté. » Et elle s'est souvenir, alors que ça faisait combien d'années, elle ne marchait pas, qu'elle aimait danser, voilà. Ah oui, elle s'appelle Séverine. Elle a laissé son fauteuil roulant. Elle a commencé à danser. Et les gens crient. Je me souviens, père son âme, de la sœur Blandine. Elle m'a dit, « Papa, regarde !» La paralysée, la marche. Bon, elle était, il y a du monde. Et voilà ce que Jésus est capable de faire. Vous voyez, c'est Jésus. Et ce charisme de guérison est très important. Parce qu'il faut que les signes accompagnent la prédication. Et surtout la première annonce, ce qu'on appelle le kérigme. Il faut que les signes accompagnent et pas des démonstrations. Dieu ne fait pas de démonstrations, mais il nous atteste son amour. Et c'est un charisme de guérison. Et le charisme de guérison, ça peut être une maladie aussi que la personne a, que la médecine peut guérir ou soigner. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est le charisme de guérison qui est d'abord un charisme de compassion. Maintenant, le charisme de miracle. Ouais. Le miracle est un fait qui défie l'ordre normal ou la nature humaine ou la science. Et c'est un fait extraordinaire, comme on le dit. Alors, ce charisme est très important. Et j'ai vu des personnes, et je me souviens, à Paris, j'ai donc toute la gloire à Dieu, dans cette église, je crois, à Sainte-Élisabeth, je ne me souviens pas, il y a tellement longtemps, une personne qui était devant moi, je pensais qu'elle était simplement paralysée. Or, elle avait un cancer des reins. Ouais, c'était la première fois que, après son témoignage, parce que c'était je crois en 2006 ou en 2007, voilà. Et moi, je dis à la personne, laisse ta chaise roulante et marche. Et voici qu'après 2 jours, parce que quand je prie pour les malades, je leur dis, allez voir le médecin. Et un jour, quelqu'un me disait, après avoir été guéri, et frère, est-ce que je dois arrêter de prendre les médicaments? Je dis, ma sœur, ce n'est pas moi qui vous ai prescrit les médicaments. Et là, je le dis à ceux qui prient pour les malades. C'est lui qui a prescrit les médicaments. C'est lui qui doit dire, laisse les médicaments. Après, examen. N'ayez pas peur de la science. Et si vous croyez que c'est Dieu qui agit, n'ayez pas peur de la science. Et effectivement, quand la personne est allée voir son médecin, moi, j'ai cru que la personne avait été totalement, seulement paralysée. Or, la personne, c'était le cancer. Le cancer a disparu. Ses reins sont devenus des reins comme de jeunes filles.
En fait, de jeune homme, voilà, puisque c'est un homme. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Alors là, c'est un miracle, puisqu'il n'y a pas d'autre remède de guérison concernant là. Et il était, c'était terminé pour lui, il restait quelques jours, etc. Et à Paris aussi, il y a une dame qui avait le cancer des os. Hein? Je me souviens qu'elle a témoigné pendant le Cénacle de Paris, en, je crois le Cénacle de Paris, c'était en 2019, ouais, en juin 2019. Et Jésus a guéri totalement. Son médecin était totalement émerveillé de ce que Dieu fait. Et dans les miracles aussi, il y a des choses insolites qui peuvent se passer. Je vous épargne beaucoup de choses, mais vraiment, vous voyez la main de Dieu, la main puissante de Dieu agir. Voilà. Un autre miracle qui m'a et j'aime donner ce témoignage, deux témoignages. Il y a une personne à Ouagadougou qui, alors qu'on faisait une grande évangélisation, qui est venue vers 15h, alors qu'on commençait à 17h, donc imaginez le soleil de mars. Et comme il y avait du monde, on ne peut pas voir tout le monde. Mais il y a un frère qui se baladait, hein, le frère Alfred, je salue tous ceux qui sont au Burkina Faso, et qui faisait comme une caméra cachée, au moins de la prière pour les malades. Je dis toujours, grâce au charisme de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ne marchent pas, commencez à vous lever. Je dis bien par le carré de la foi. On ne le dit pas comme cela. Et la personne qui avait sa colonne vertébrale totalement bousillée, enfin, tout, et qui était que couchée, a commencé à se lever doucement et à ramper et ensuite à faire les quatre pattes, à se tenir debout et à commencer à courir. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Je veux, en te donnant tous ces témoignages, te dire, mon frère, ma sœur, c'est possible. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, je ne suis que témoin de ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Je parcours grâce à Dieu et la bénédiction de l'Église, de l'archevêque d'Abidjan, je parcours le monde entier et je vois toujours Jésus agit. Beaucoup de gens, bon, participent à l'effusion de cet esprit, au cénacle, mais après, c'est terminé, ça s'est. Laisse pour que le charisme se manifeste en toi. Ne cherche pas à devenir homme de Dieu ou femme de Dieu, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucun sens. Cherche à te mettre au service de l'Église, point. Et Dieu va faire. Ne cherche pas à créer soit un ministère ou une communauté, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et ces choses s'imposent à nous. Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'a été imposée. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il ne vient pas te dire, fonde une communauté, fais telle chose, et un ministère. Ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un d'autre qui discerne ces choses-là. Toi, mets-toi au service de la communauté. Mets-toi au service de l'Église. Si tu es choriste, continue à chanter. Un jour, alors, le maître de cœur va dire, mais il y a quelque chose là. C'est les chants trop. Et puis le curé, bon, ensuite de suite. Vous voyez, et ce qui fait que les gens sont obligés de mentir dans les charismes, là, je suis obligé de vous le dire, ce n'est pas mes habitudes, mais c'est parce qu'ils veulent être quelqu'un. On ne cherche pas les charismes pour être quelqu'un, mais pour être pauvre devant le Seigneur, pour prier. Alors, je prie Dieu que, à chaque fois, quand un groupe m'invite, par exemple, les gens de la Belgique, et non, de Luxembourg, pardon, ils m'ont invité en 2007, je leur ai dit, écoute, bon, moi, quand je viens pour une Pentecôte comme ça, il y a 7 nationalités qui viennent, 7 nations qui viennent, 7 pays. Je dis, moi, c'est surtout montrer que Jésus est capable et qu'il la relève. Quand Paul évangélisait, il établissait les gens pour continuer l'œuvre. Hein, vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui... Bon, il y a beaucoup de déviations, tout simplement parce que vous les prenez comme des artistes, comme des gens, bon, alors que Dieu peut passer par toi. Alors, je veux que tu saches ça. Le dernier charisme de puissance dont je vais parler, c'est le charisme de délivrance. C'est Paul met la guérison au pluriel, mais parce qu'il y a un charisme de la délivrance.
La délivrance est différente de l'exorcisme, c'est très important. Très important. Tout chrétien peut chasser le démon, mais tout chrétien n'est pas exorciste. C'est très important. Ça, j'aurai le temps, pendant que je vais parler de l'éthique ministérielle, de faire les différences. Voilà. C'est-à-dire que, mais pour la délivrance, il y a un autre charisme qui doit entrer en jeu, c'est le charisme de discernement des esprits. C'est très important. Et il ne faut jamais se précipiter. Paul dit « N'imposez pas les mains avec précipitation ». C'est un domaine que je dis aux chrétiens, tu peux prier, mais c'est un domaine délicat et j'ai vu des choses terribles que je ne vais pas vous le dire. Mais ce que je veux dire, ça fait partie des charismes de guérison. Voilà. Et quand vous écoutez l'évangéliste Luc, pardon, et la guérison et la délivrance, c'est la guérison. Voilà. Donc, il faut vivre ce charisme-là dans toute humilité et la vie de prière qui doit accompagner. On ne prie pas pour prier. On n'est pas en train de chercher des possédés pour prier pour eux. Jésus n'a pas fait ça. Et dans l'Église, il y a une différence entre la possession et les simples liens, les simples oppressions. Donc, ce sont des choses très simples. Alors, voilà, frères et sœurs, ce que c'est que les charismes de puissance. Donc, je répète, le charisme de la foi qui déplace la montagne, le charisme de guérison, je parle de la guérison, mais là, je parle de la délivrance, et le charisme de miracle. Le charisme de miracle va avec la joie. La joie est un signe d'humilité. Si tu ne sais pas t'émerveiller aussi, c'est compliqué. Si tu ne sais pas t'émerveiller devant... Vous savez, des gens sont trop sérieux. Je vois trop de personnes, bon, je ne suis pas content, qui s'attachent des chapelets dans le poignet ou tout cela, qui paraissent comme des mystiques, quoi, parce qu'ils sont dans la délivrance. Écoute, sois tranquille. Vis une vie chrétienne. Tout simplement, tu n'as pas besoin de prendre des airs ou bien à des gens, quand tu parles avec eux, oh, ça, je n'aime pas ce genre de chrétiens qui voient le démon partout. Ça, c'est dangereux. Si tu vois le démon partout, tu ne peux pas avoir un discernement. Il faut voir les anges partout. Voilà. Il faut voir Dieu, puisque c'est Dieu qui est omniprésent. Mais si vous pensez que le démon, il n'est pas omniprésent, bon, on aura le temps dans l'éthique ministérielle. Alors, je finis pour prier pour vous, pour que je prie Dieu, parce que la mort du Père tardif nous a tous touchés. Dieu merci qu'il y a beaucoup de serviteurs dans le renouveau qui continuent à parcourir le monde. Mais il faut qu'il y ait encore plus de personnes comme le Père tardif que j'ai connu à Fidji, on s'est rencontrés à San Giovanni Rotondo, on s'est rencontrés à Foggia, en Italie, au cours de vraiment, il a prêché ce jour-là, il y avait un charismatique qu'on aime bien, et José Padre Forest, qui a écrit « Comment évangéliser les baptisés », qui pourrait paraître comme un livre bizarre, mais c'est un Mexicain qui a des centaines d'écoles d'évangélisation dans le monde. C'est un laïc, voilà. C'est dire simplement que nous sommes dans l'ère de la nouvelle évangélisation et l'Esprit Saint n'appartient pas au renouveau. L'Esprit Saint est donné à l'Église. Et le renouveau est un courant qui traverse l'Église. Ce n'est pas un mouvement. Alors, je demande à chacun de s'ouvrir à la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire autrement dans les îles, en Amérique du Sud, en Afrique, même en Asie, où il y a des religions traditionnelles très fortes. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, alléluia, pour annoncer Jésus. Alors je prie pour toi. Avec la chante d'abord, on entre vraiment dans les louanges. Ô Père si grand, suscite des serviteurs et des servantes. Que les charismes soient une réalité dans la vie de chaque chrétien. Père, que les dons de puissance se manifestent. Les dons de foi, de la foi, de guérison, de délivrance et de miracle. Seigneur, je crois à ta toute puissance.
Et je sais, ô Dieu, que tu agiras. Merci, ô Père, de toucher tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre aussi après. Communique une onction de puissance pour le ministère. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à toi. Merci, ô Jésus. Que Dieu vous garde. Et je vous donne rendez-vous le mardi prochain. Nous commençons et quelque chose de formidable sur comment servir Dieu dans l'Esprit Saint. Comment servir Dieu dans l'Esprit Saint et selon la doctrine de l'Église. Et vous allez voir que beaucoup de choses qui sont reprochées aux charismatiques font partie parfois de l'enseignement officiel. Ou aussi, il y en a aussi qui font des choses qui ne sont pas de l'enseignement de l'Église. Alors comment, et donc je parlerai du courant charismatique, parce qu'il faut connaître comment ce courant charismatique est à l'intérieur de l'Église, parce que beaucoup de gens croient que les communautés nouvelles, le renouveau, enfin les groupes de prière, tout cela, c'est venu d'ailleurs et ça embrouille l'Église. Au contraire, comme l'a dit le pape François, qui l'a dit aussi, le pape Jean-Paul II, mais surtout le pape Benoît XVI qui dit « Les communautés nouvelles ne sont pas un problème, mais c'est une chance pour l'Église. » Et donc, je veux que tu passes l'information, tu communiques, tu dises aux gens qu'à partir de mardi prochain, ça sera intéressant. Que Dieu te bénisse. Amen.